parodie à un budget de 0 euros. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Bonsoir les viewers de Kaikwood. Je vous déteste, mais tout d'abord, bienvenue à ma nouvelle capsule que j'ai baptisée « Megan tient un micro devant quelqu'un de connu ». Bonsoir, bienvenue à « Megan tient un micro devant quelqu'un de connu ». Ce soir, je tiens un micro devant... Mademoiselle Kaikwood. Il me fait maintenant plaisir de rencontrer le maire de Twitch, Kaikwood. Bonsoir Megan et bonsoir tout le monde, y compris les personnes qui mangent les Kiri. Parlez-nous de cette histoire de stream à l'ASMR. Ben voilà, en fait, une fois j'ai lancé pour rigoler que j'allais faire un stream ASMR le 29 février. C'était il y a plus d'un an et franchement, je savais pas que c'était pour février prochain. Au début, je voulais faire quelque chose de marrant avec la connerie que j'avais dite, j'avais même préparé une scène spécialement pour. Mais manque de chance, je suis arrivé en Corée du Sud, première chambre que j'avais louée, il y avait pas d'écran de télé, dont j'avais besoin pour streamer. Et comme j'ai pas pu le faire le jour même, je voulais attendre une occasion, comme par exemple le 24 heures pour les 500 follows. Mais il n'a pas eu lieu tout de suite et c'est là que tout a commencé. J'ai une de mes vieuses les plus fidèles qui a commencé à m'en vouloir. Au début, c'était qu'une question simple de temps en temps, du style tu fais quand on live ASMR, puis de plus en plus pressant, tu avais promis, pourquoi tu le fais pas? Ça tournait assez rapidement au harcèlement, c'était des messages dans le chat, des appels, des messages privés sur Discord, sur Snapchat. Et pour finir, le pire de tout, elle a fini par trouver mon adresse et elle attend en bas de chez moi. Plusieurs fois par semaine en faisant des sacrifices de poney. Se comporte comme une véritable sorcière. Du coup, j'ai décidé d'enfin le faire pour espérer en finir avec tout ça. Et tout de suite, un reportage sur les pizzas à 4 fromages. Vous avez un beurre dans le coin? C'est mieux avec le son. Désolé. Donc oui, voilà, je serai anonyme pour ce stream ASMR. Attends, je t'envoie un don. Alors non, il faut pas faire ça. Donc, il est quelle heure? Il est 32. C'est peut-être un peu fort le son du micro. Enfin, oui. Donc du coup, un bon stream ASMR qui se respecte, bien sûr, il y a un fond gratuit qui a été pris sur internet, et des barres de dons totalement inatteignables. Un nouveau streamer, oui, on me reconnaît même pas. Enfin, en vrai, je voulais retrouver mes lunettes de soleil, je les ai pas retrouvées. Ça aurait été encore mieux. Donc voilà où part votre argent. Il part dans des masques en tissu pour faire des conneries. Sachez-le. Et donc du coup, c'était 2 minutes à la base. Donc je sais pas combien de temps ça va durer. J'aurais peut-être dû rester couché. Mais non. Ne t'en fais pas. Tout va bien qu'à tout. Je te rejoindrai bientôt. Argent bien dépensé. Il le fallait. En vrai, c'est l'argent que j'avais besoin de moi dépenser. Parce que faut savoir que j'habite en centre-ville. Donc je vous dirai pas où. Et que c'est obligatoire pour sortir. Avec des intérêts 24 heures de plus. Pas du tout. Est-ce que le son du micro est pas vraiment un peu trop fort? On va faire comme ça, oui. Parce que là, il tapait dans le rouge. C'était pas très beau. Donc voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Un streamer anonyme. Avec des barres de dons. Juste pour, du coup... j'ai mis à combien? Je l'ai mis à 1 million, hein. De cheers. C'est totalement inatteignable, hein. Faites pas les cons. Je l'ai vraiment mis à 1 million de cheers. Avec des défis à la con, genre je joue à Hunt, même avec 0 cheers. Hein. Y a pas de souci. Et pareil pour je commande Uber Eats. Hein. Je le fais tout le temps.
J'ai pas besoin de 150 subs pour faire du Uber Eats. Pour faire du Uber Eats, putain. Je vais y arriver. Pour me commander Uber Eats. Ne vous en faites pas. Du coup, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Mis à part que du coup... Mais merci à vous, en fait, pour ces 2 ans. Ça fait 2 ans que je stream quasiment tous les jours. Et y a régulièrement du monde. Et du coup... Voilà, profitez de ce petit ASMR pour vous remercier tous d'être là régulièrement sur le chat et tout. Même si au début, pendant combien, quasiment 4-5 mois, je me suis retrouvé solo. Parce que je sortais de nulle part à 1 ou 2 viewers. Qui étaient souvent moi. Et mon téléphone portable. Et du coup, voilà. Donc un grand merci à vous. C'est grâce à vous qu'il y a plein de trucs aussi. Que je continue à faire, parce que bon, clairement, 2 ans solo, je l'aurais peut-être pas forcément tenu. Et merci beaucoup, MC, pour tes 5 abonnements offerts. Du coup, à Atsuyo, Momo, Petite Sinois, Aiza et Carly Tolodon. Merci beaucoup à toi. Et du coup, il faut savoir que j'enregistre ça, parce que je la mettrai sur YouTube. Ça, je le garderai, cette connerie-là. Un truc que bien sûr je garderai. J'enregistre parce que j'allais pas fouiller dans 30 heures de stream non plus. Donc voilà. MC, es-tu satisfaite de ton stream ASMR? Est-ce que ça te va? Tu gardes et tu martilles ça, mais c'était prévu, c'était prévu. C'est le genre de conneries qu'il faut garder. Même si du coup, j'avais fait des trucs, des tests sur YouTube et tout, pour ceux qui étaient là au début... Que j'ai supprimé, que j'aurais pas forcément dû supprimer. T'apportes-tu le micro? Tu veux que je te frotte le micro, monsieur Dan? Tu aimes quand je fais ça? Oui, ça me manque le grattement micro. Alors, ouais, non, ça fait des sons dégueulasses. Hein. On est d'accord. Et le croquage de cornichon. Je peux vous faire un petit bol que vous n'avez pas vu. Qui m'a tenu, qui me tiendra pour le 24 heures. C'est un petit bol contenant des M&M's de type bleu, noir et rouge. Et c'est très bien, voilà, je me titille les M&M's. Est-ce que vous aimez quand je me titille les M&M's? Là par contre c'est chiant, ça remonte tout le temps. Mais qu'est-ce qui passe? Je dors, oui, non. Je peux vous malaxer mes oreos aussi. Mes oreos blancs, recouverts d'une texture molle et blanchâtre autour de mes oreos. Est-ce que vous aimez ça? Ne t'en fais pas, Tom Terter, c'est un cauchemar, tu vas te rendormir. Tout va bien se passer. Putain, mais c'est 300 cheers à 0,03%, c'est honteux en vrai. Petit live ASMR promis depuis trop longtemps et qui devait avoir lieu le 29 février de midi à midi 2. Oui, parce que j'avais sorti une connerie une fois. Je disais que oui, je ferais un live ASMR parce qu'on me faisait chier avec ma voix, hein, comme trop souvent. Que je ferais un live ASMR le 29 février de midi à midi 2. Et en vrai, comme je l'expliquais dans la vidéo, vraiment pour le 29 février, du coup, j'avais préparé une scène à la con comme ça aussi, que je voulais faire, mais que du coup, j'avais pas de quoi le faire comme j'étais en Corée, et que j'avais pas ce qu'il fallait. Et pour les... Du coup, je voulais le garder pour plus tard, donc pas dans 4 ans, parce que ça aurait été beaucoup trop tard. Mais pour le stream des 500 follow, et j'ai pas eu l'occasion de le faire ou de bien le préparer. Et là, pour les 2 ans de la chaîne, c'était totalement l'occasion de le faire. T'as le clip, je dois avoir le clip quelque part. Par un permis pour qu'ils aient le contexte, c'est pas un clip d'ici, oui. Je te file ça. Cela est fait. Je sais même pas si du coup ça fait un son dégueulasse avec le... avec le masque. Donc voilà, chose promise, chose due. Je comptais vraiment le faire. Si j'ai eu de retard, c'est parce que vraiment je voulais faire un truc.
et que l'ordinateur portable c'était vraiment pas possible, mis à part faire un truc vraiment dégueulasse. Même si bon, là c'est un petit truc à la con, hein. J'ai pas acheté un micro à 700 € pour le faire, hein. Je suis pas complètement taré non plus. Donc voilà, chose promise, chose due. Je tiens parole, en général, quand c'est pas vraiment des trop grosses conneries qui. Mais si je peux le faire, je le fais. Et t'as pas de micro avec les deux oreilles, non? T'as vu le prix de ces machins-là? Pour les moins chers, c'est du 600-700 € et. Ouais. Non. Personne fait ça. À moins d'avoir 100 subs par jour parce que tu te frottes les oreilles dessus, mais sinon. Clairement, personne fait ça. Donc, du coup, ça, M6, un bonnet que tu ne verras jamais quand je serai au Québec. Hein. Clairement, c'est un bonnet juste pour faire joli. Hein. Il y a tout l'air qui passe. Hein. Pour combien de follow tu te coupes un brin? Ça sert donc ça à la barre des 1 million de bits. Ah, putain. Non, mais c'est vraiment des barres à la con. Faut vraiment pas les atteindre. Hein. Ça sert à rien. J'ai mis ça juste pour me foutre de la gueule des streamers qui. Et surtout de faire des barres de dons dégueulasses. Hein. Ça, c'est une barre de dons dégueulasse directement prise sur Streamlabs. Hein. J'ai juste changé de couleur. Il n'y a rien de personnalisé. C'est vraiment les. Vous avez là ceux qui commencent disant oh, je vais faire de l'ASMR, machin, tout ça pour faire du pognon et qui font des trucs vraiment dégueulasses comme ça avec un fond vert qui marche. Pas comme ça. Bon, moi, c'est pas fait exprès le fond vert qui marche pas comme ça. C'est parce que j'ai pas les lumières. Il est censé avoir les lumières et le fond vert fonctionne un peu mieux. Avec un vieux JPG derrière, du coup, de banquise, hein, forcément, voilà. Faut que ça colle un peu au personnage. Plus le pingouin est dans la neige, oui. C'est une belle banquise. Et des vieilles barres de dons, genre pour la survie du stream ou pour. Non. Barre de dons pour la survie du stream, ça n'existe pas. Voilà. Mais de rien, MC. Voilà. Du coup. Pour la suite. Pour s'acheter une maison. Ouais, non mais. Des fois, vraiment, quand je vois des barres de dons, ah, pour ça, pour ça, pour ça. Ah, pour modifier mon ordi, qui te demande des sommes, mais. Astronomique, alors que les pièces ne coûtent clairement pas ce prix-là, pour acheter le micro à 700 €. Il y a des micros à 700 € qui existent de ce type-là. C'est clairement pas ce qu'il faut mettre pour le stream. Du moins pas au début, vraiment quand t'as vraiment de l'argent à mettre. Moi, c'est un micro à 90 balles que j'ai, tout compris avec le pied, et je trouve qu'il fait clairement le boulot. Pour débuter. Après, bon, si un jour j'ai les moyens, un micro un peu plus performant, directement compresseur dessus, avec une petite table de mixage, pourquoi pas. Mais clairement, avec ce qu'il y a, ce micro-là, du coup, c'est le Bird UM1, pour ceux que ça intéresse. Il est pas cher et il fait clairement le boulot. Enfin, il est pas cher, ça reste quand même 90 balles à sortir. Mais j'ai commencé avec un micro Klim, donc KLIM, à 20 balles, 20-30 balles. Qui faisait aussi le boulot. C'est vous de crooner qui fait le boulot. Non. Si je streamais avec un micro de. Mince. De kit main libre. Clairement, le son serait vraiment pas pareil. Même si je trouve que celui-là, il y a clairement des choses qui vont pas avec. Tout le monde me dit, ouais, si c'est bien, tout se passe bien. Je trouve qu'il y a. Le son est. Par certains moments, est pas hyper bon. Mais apparemment, ça passe. Vous entendez pas ce que j'entends, donc pour l'instant, ça va. Donc, voilà. Petit stream ASMR, j'en ai fait beaucoup plus. Hein. On a passé 10 minutes dessus. Je pense que les intérêts sont payés. On va passer sur Sea of Thieves. Ceux qui veulent rejoindre, du coup, MC, si tu peux. Jamais il y a Ton ou Pixel qui veulent rejoindre aussi. Je vais passer dessus. Ton mec est bien, je trouve. Oui, non, mais c'est. Oui.
Clairement, c'est après beaucoup de recherches, mais maintenant ça devient quand même assez connu que les birds, les micro-birds sont des micros assez qualitatifs et pas trop chers pour que ce soit du streaming ou du YouTube. Parce que clairement, avec la compression de ces deux plateformes, il n'y a pas besoin d'avoir de mettre énormément d'argent. Après, si vous avez les moyens, un micro à 200, 300 euros, ça peut le faire. J'ai des micros qui valent plus cher. J'ai un micro qui vaut, je crois que je l'ai acheté 300 balles. C'est le micro. Mais c'est pour l'extérieur aussi. Je vous regarde de jouer sans souci. Ah oui, désolé. Mais du coup, ouais, ceux qui veulent rejoindre, pas de souci. Bon après t'es pas obligé de vocal aussi, hein, c'est pas tout. Mais bon, je force rien. C'est toi qui vois. Ils vont être trop, tu vas pas, tu vas les abandonner. Mais non. Hein, on la laisse faire ce qu'elle veut, s'il vous plaît. Ils ont un magnifique brigantin, oui, dans cette planche de surf, quoi. Magnifique. Donc, je peux pas te join, t'es encore sur DBD selon Microsoft. J'ai rien lancé là. Hein. J'ai vraiment juste gardé le stream pour pouvoir enregistrer en même temps, pour pas avoir de perte d'image, pour pouvoir après foutre la vidéo sur YouTube. Donc voilà, on va passer sur une scène un peu plus conventionnelle et je vais aller virer tout ça, parce qu'il commence à faire chaud là-dessous, au cas où. Et on se retrouve de suite sur Sea of Thieves. À tout de suite, à dans 2-3 minutes maximum. Allez, ciao. Enfin, ciao. Non, pas ciao, je suis encore là. Vous inquiétez pas, ça fait juste 20 h que je suis levé. 21 h bientôt. Tout va bien. J'arrive dans 2 secondes. Vraiment, à tout de suite.